Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans ma nouvelle vidéo qui sera une routine pensage. Donc comme vous pouvez le voir, là j'avais Cantino et je vais commencer à lui brosser les crins. Donc voilà, faites pas gaffe à Carla Marie, enfin il y a toutes mes potes qui vont passer devant ma caméra pour me faire chier. Donc voilà, donc ensuite je viens lui faire la queue et comme vous pouvez le voir, Cantino commence à faire le boulet, voilà. Donc Cantino était en train de faire de la merde, du coup je l'ai rattaché plus court pour éviter qu'il continue à faire de la merde. Voilà, donc en fait il faisait tomber les balais qui étaient en face de lui et du coup ça faisait peur à tous les poneys. Ensuite, je vais demander à donc l'équitation à ma façon, donc Blandine, son démêlant parce que là, la queue de Cantino était vraiment infernale à démêler. Du coup, bah, j'ai pris son démêlant et ça allait mieux. Ensuite, je vais venir curer les pieds à Cantino. Ensuite, je viens prendre mon bouchon et bouchonner énergiquement Cantino. Parce qu'en fait, il a été monté avant. Et du coup, bah, il fallait que je le laisse sécher. Du coup, bah, là, ça allait mieux. Et on a eu une magnifique apparition de Carla Marie. Ensuite, je viens lui brosser la tête et son licol était un peu trop grand. Du coup, bah, je l'ai resserré et je viens lui mettre en collier sur l'encolure pour éviter de le gêner
quand je lui brosse la tête. Ensuite, bien évidemment, je lui remets son licol pour éviter que ça lui... Enfin, pour éviter que ça lui fasse mal si jamais il tire au renard. Ensuite, je viens lui lustrer son poil avec une époussette. Voilà. Ensuite, je viens lui laver les yeux et les naseaux. Ensuite, je viens prendre mes affaires qui étaient dans ma boîte, donc c'est pour ça qu'on voit du noir. Ensuite, je suis allée chercher sa selle pour lui changer, enfin pour mettre mes étriers. Donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir, mon tapis, c'est un tapis coupé dressage, même si on faisait du saut. En fait, j'avais oublié de changer mon tapis, enfin bref. Donc c'est un BR camel et beige. Voilà. Ensuite, je viens mettre mon amortisseur Fuganza et sa selle. Ensuite, je suis allée chercher la selle et le filet de Cantino pour les changer. Les étriers. Voilà, donc comme vous l'avez vu, Carla Marie est une grosse boulette parce qu'elle a cassé sa boîte d'élastique. Voilà. Je connais encore rien, je connais encore moins que toi, donc... Je sais plus quoi.
Vas-y, passe ton affaire au niveau des pieds des chevaux pour pas qu'ils me marquent dessus. Attends, un petit alors. T'as renversé ta boîte. Elle a cassé son pot. Ouais. Ah, il a cassé carrément. Ouais. On peut y mettre où? Ah, c'est du verre. Ouais, ouais. Et on vient de faire un mais il est pas un peu grand. On peut y mettre où? Prenez une pelle, les petites pelles, et dans la poubelle. Il y a deux poubelles. Il y a une poubelle noire là, et belle, et une verte où on met la ficelle. Et puis mettre là où on met la beige. Voilà. Ah, vas-y, prends trop temps. Non, là, il part en malade, on prend tout ailleurs. Ah, ok. Non, il faut qu'on mette, elle est tellement chaude. J'arrive, elle est bouge là. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et surtout, faites plein de bisous à vos poneys. Ciao!